Bonjour à toutes et à tous, ici Zerator, je suis très heureux de vous retrouver pour un troisième VOD, un VOD qui s'annonce assez intéressant puisque nous allons shootcaster cette fois-ci une game de Corée du Sud. C'est-à-dire que bon, la Corée est quand même l'emblème de StarCraft, en tout cas de StarCraft 1, c'est un peu ce pays qui a lancé tout l'e-sport et tout ce qu'on connaît avec. Donc voilà, on est ici en compagnie de Ray Prime, qui est dans. Deux joueurs qui sont dans une très bonne équipe, hein. Prime qui est dans. Enfin Ray Prime pardon qui est dans l'équipe Prime et ici Check qui lui est dans quel clan et dans l'équipe Prime aussi pardon. Donc ça fait deux joueurs qui se connaissent très bien qui vont jouer un match-up ma foi assez intéressant. Donc un Protoss contre Zerg sur Metalopolis. On peut voir directement que le Protoss a fait un pylône ici et juste après est parti scouter si son adversaire était dans la close position. Justement, son adversaire il y est dans la close position. Ici, directement, son probe va arriver dans la base de son adversaire. Il a vu que son adversaire était là, mais il n'a rien fait. Ouh, il amène son probe. Peut-être qu'il va nous faire quelque chose. Non, rien de particulier. Rien de particulier, pardon, pour l'instant. Le premier bâtiment va bientôt tomber pour le Protoss. Ça va être sûrement un gate pour pouvoir bloquer sa pente ici, hein, bien évidemment. C'est une forge. Une forge de la part de Ray Prime. Donc là on s'attend à une game assez surprenante. Peut-être deux photons de canon ici pour bloquer la pente afin d'y voir plus clair. En tout cas ici le scout de Check lui est en train de partir. Vous voyez c'est écrit en alphabet coréen et pas dans l'alphabet que nous connaissons si bien. Donc là, le scout de Check qui est en train de partir dans la base. Oh qu'est-ce que je vois ici? Deux pylônes ont été faits en bas de la base de Check du joueur Zerg. Alors ça peut vouloir faire deux choses. Ça sert d'abord à le bloquer. Vous voyez ici avec son probe, il vient de regarder, il vient de vérifier que les unités ne puissent pas passer. Ça peut servir à deux choses. Ça peut soit servir à faire des canons comme ça, essayer de prendre la vision après plus tard. Alors justement, regardez un canon qui vient d'être fait ici de la part de Check. Alors je sais pas si Check l'a vu. On va se mettre tout de suite dans sa vision. Non, il l'a pas vu hein, pour l'instant. Il n'a pas vu ça, mais il a vu que le probe restait par là, il doit s'attendre, ils doivent se connaître les deux joueurs, ils doivent connaître ses build orders. Ça y est, il a vu les pylônes et regardez ce qu'il a fait pour contrer dans la base du joueur Protoss. Il vient de faire une couveuse. Oui, vous ne rêvez pas, le Zerg est en train de faire une couveuse à l'intérieur de la base du Protoss qui s'est wall totalement. Est-ce que le Protoss va la voir cette couveuse? Non, il la voit pas, il est allé checker un peu sur le côté. Si, ça y est, il l'a vu. Oh la vache, oh là là, les deux joueurs qui doivent se connaître au niveau du match-up. En tout cas, moi, pour l'instant, j'avais jamais vu ça. Et le portail justement qui va servir de wall parfait ici, aucune unité ne peut monter, aucune unité ne peut sortir. Et en plus il y a un canon qui aura plus de portée que des roaches ici, donc il pourra même pas sortir ici le joueur Zerg. Le joueur Zerg qui pour l'instant est à 17 sur 10, on a l'impression qu'il s'est fait défoncer un Overlord par justement ce photon canon qui est ici, l'Overlord qui était venu scouter. Donc là il est un petit peu dans la merde le Zerg. Ah là là, ça va être une game assez intéressante je pense. Le gateway qui va bientôt sortir ici, la forge qui est devant, donc là plus aucune unité ne peut passer, mais ça évidemment on l'a déjà dit. Le Roach Warret maintenant qui sort du Zerg. Alors forcément là c'est la Corée, donc on est sur du 100 APM, on est sur du très lourd, on est sur du très lourd. Au niveau de l'incom, on voit que le Protoss un petit peu d'avance, 150, 650 pardon, à peu près 100 de plus que son adversaire de minerai par minute. Donc on va voir, alors là c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il va lui aussi tower rush son adversaire? Est-ce qu'il ferait pas des canons là Ray pour essayer de contrer un petit peu cette couveuse? Non, pour l'instant il reste serein, il fait son gate ici. Vous voyez le premier zilote qui a été envoyé pour directement attaquer cette couveuse. Vous voyez tout ce que le probe a infligé à la couveuse pendant qu'elle était en construction. Le problème c'est que là il y a une queen qui va sortir, plus sûrement des zerglings, directement des roaches, carrément des roaches qui vont sortir de cette couveuse. Mesdames et messieurs, c'est totalement incroyable, la game qui commence déjà à partir en cacahuète alors que ça fait à peine 2 minutes qu'elle a commencé. On va voir. Voilà, comment il va s'en sortir de ça, le joueur Protoss. Pour l'instant, il a très peu d'unités. Le noyau cybernétique qui vient de sortir. Et ça y est, le premier Roach qui est là, qui peut forcément défoncer ce zilote hein, en hit and run. Et là, vu la micro-gestion des joueurs coréens, tu peux compter là-dessus. Le zilote, il touchera jamais le cafard. Alors, la Queen, ça y est, elle est là. Elle booste les larves de cette couveuse. Les Roach qui commencent à attaquer le pylône. Trois portails, deux en construction. Le cybernétique score qui permet de faire les premiers stalkers ici. Les zilotes qui commencent à avancer sur les cafards. Les cafards qui commencent un petit peu à agresser. Si ce pylône tombe, ça va annuler tous ces bâtiments en construction, mesdames et messieurs. Si ce pylône tombe, ah il est tombé. Ah ça n'a pas annulé la construction des bâtiments, n'importe quoi. Mais au moins ils sont désalimentés et pas d'alimentation pardon pour Prime, pour Ray Prime qui avait fait un pylône juste derrière, autant pour moi. Alors Check pendant ce temps là continue de faire des roaches hein. Si on se met dans l'onglet de production, 4 roaches en production ici directement dans cette base. Et pendant ce temps là ici, bah il se passe pas grand chose, le Zerg est assiégé, il peut pas sortir. Du coup il fait toutes ses unités chez l'autre en même temps, pourquoi se compliquer la vie? Oh là là, c'est vraiment incroyable ce que nous servent là les deux joueurs, parce que le Protoss ne baisse pas les bras quand même. Il a que 3 unités, pour l'instant il peut pas vraiment se défendre contre ces 3 roaches. Oh, 2 spinecrawlers, extrêmement bien joué de la part du joueur Zerg ici, 2 spinecrawlers en plus, ça va être l'extase totale là, au niveau du joueur Protoss. Il va se
se sentir très très mal, très très agressé. Vous voyez, les premiers rouges qui peuvent commencer à défoncer les bâtiments. Hop là, les zélotes, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Trois spinecrawlers qui vont sortir. Alors là, quand ces trois spinecrawlers vont sortir, ça va être très compliqué parce qu'ils vont pouvoir, je pense, en tout cas celui-là, attaquer peut-être le Cybernetic Scorn. Non, ça fera peut-être un peu loin, mais au pire, il pourra les bouger. Hop, la Queen qui balance un petit soin là sur le cafard, très bien joué. Ah là, il va faire tomber Spilone là, c'est cette gate qui va être désalimentée plus la forge. Donc là, une gate en moins pour le joueur Protoss. Voilà, ça y est, il produit plus que sur deux gates. L'amélioration pour warper des unités qui est bientôt terminée, mais ça perd pas mal de pop des deux côtés. 35 pour le Protoss, 39 pour le Zerg. Les Spinecrawlers qui commencent à s'enraciner en même temps que les Roaches continuent d'attaquer. Ah, c'est extrêmement bien joué de la part du joueur Zerg. Regardez comme il s'est avancé là. Oh la vache, les deux Spinecrawlers qui vont pouvoir commencer à attaquer la base de son adversaire. Ça va faire très très mal là au niveau de ça. Les Stalkers qui peuvent rien faire. Hein. Les Spinecrawlers, c'est quand même assez puissant, surtout avec les Roaches épaulés derrière. Et il y en a d'autres qui commencent à sortir de l'autre côté. Attention à cette Queen là qui a quand même 28 HP. Peut-être que le Protoss va essayer de la choper, en tout cas pas pour l'instant. Vous voyez, si on se met dans la vision du Protoss là, il voit même pas le nombre d'unités qu'il y a caché derrière. Oh là là, le Protoss là qui commence à être un petit peu dans la mouise quand même. On se demande comment il va pouvoir se relever de ça. Il est en train de faire un troisième portail ici, mais celui-là va peut-être tomber. Enfin voilà, je l'appelle troisième parce que celui-là va peut-être tomber, pardon. Et du coup, ça fera une troisième gate au lieu d'en avoir une quatrième. Hop, ici une tumeur muqueuse, c'est cadeau. Comme ça, je vais pouvoir avancer avec mes spinecrawlers. Oh là là, le Zerg qui met une pression dingue sur le joueur Protoss et le Cybernetic Score qui va tomber. Donc là, on va plus pouvoir faire de stalker ni de sentry, et surtout plus pouvoir avancer technologiquement. Il va falloir en refaire un. Ah là là, ça y est, le Protoss qui a plus que deux gates, on voit mal comment il pourrait se relever de ça. Ceci dit, le Zerg peut pas vraiment avancer puisqu'il a que très peu d'unités, hein. Il a à peine ses quelques cafards ici, 7 cafards exactement contre les 9 stalkers du Protoss. Donc là c'est assez compliqué. Mais attention cependant à cet aiguillon rampant qui va avancer, qui va peut-être pouvoir toucher le Nexus ici. Le Protoss qui essaie d'avancer avec un petit peu de hit and run, qui grappille les unités au fur et à mesure. La tumeur muqueuse qui est tombée, ça c'est bien joué de sa part. Un quatrième spinecrawler ici qui est en production. Ça y est, le Protoss qui essaie un petit peu de grappiller, vous voyez, des points de vie, hein, sur les tourelles. Dès qu'il peut, le Protoss qui attaque directement, les Roaches qui font un petit peu d'agression. Mais là pour l'instant, le Protoss se dérouille extrêmement bien. Excellente micro de sa part, il attend que son bouclier un petit peu se régénère et il attaque à un autre noyau cybernétique déjà en production pour le joueur Protoss du côté de la base Zerg. Rassurez-vous, il se passe pas grand chose. Ah, il est en train de rechercher la recherche pour s'enterrer. Alors peut-être pour nous faire des Roaches qui vont pouvoir se déplacer sous terre. Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire là, le joueur Zerg. Le problème c'est qu'il y a un canon ici, il y a deux canons même qui vont être détecteurs, donc il pourra pas faire grand chose ici avec les cafards. Mais c'était une bonne idée cependant, s'il n'y avait pas ces canons et qu'il avait pu s'enterrer avec ses Roaches, ça aurait fait un véritable massacre. La Queen ici qui a plus que 18 HP, il essaie de la conserver pour cracher au niveau des larves. Il y a beaucoup de stalkers au niveau Protoss. Il y en a combien? Il y en a 11 exactement avec le hit and run. Là, attention, le Zerg il va perdre pas mal d'unités sur ce move. Hop là, il a perdu sa Queen. Ça c'est fait, c'est bon pour le Protoss, c'est très très bon. Et au fur et à mesure, vous voyez, il arrive à un petit peu défoncer. Mais même, vous voyez, ah là là, encore une gate qui va tomber. Il reste à 2-3 gates. Le Protoss il arrive pas à rester. Il en a déjà perdu. Il a déjà perdu 2 gates plus un noyau cybernétique et 2 pylônes. Donc là, ça fait beaucoup d'unités perdues pour le Protoss. Hein. Protoss pour l'instant qui a perdu moins d'unités que le Zerg, mais si on compte les bâtiments, forcément la tendance s'inverse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Zerg là qui essaie un petit peu d'avancer avec ses Roaches, mais en même temps, Ray est en train de faire une micro magnifique là avec ses Stalkers, ce qui fait qu'il perd pas grand chose. Le joueur Zerg lui se conforte un petit peu sur ses positions, mais fait quand même pas mal de pertes. Ça y est, les Roaches sont enterrés. Les Roaches sont enterrés. Est-ce que le Zerg a vu les canons? Ah, il a vu les deux canons, donc il ira pas loin. Hein. Forcément, il ira pas très loin avec ça. Par contre, hop là, il essaie de sortir pour éviter de se faire un petit peu hit and run par les Stalkers, et ça c'est bien joué. Le problème c'est que dès qu'il avance, il y a deux canons en plus. Vous voyez à quel point la base de Ray s'est un petit peu mise sur toute une ligne là pour éviter que le creep du Zerg avance. Forcément, hein, cette tumeur muqueuse ici, elle est cachée puisqu'elle est sortie. Donc voilà, là c'est un petit peu difficile pour le Protoss. Un troisième gate ici, quatrième gate. Hein, il y avait une gate qui avait été faite ici, ce qui l'amène à 4 gates. Le Protoss plus Robotics, il est en train de faire ici, peut-être pour pouvoir faire de l'immortal pour contrer ses Roaches. Alors le Zerg qui a un petit peu du mal à lancer sa prod quand même, hein, ici. Vous voyez, il va se mettre sous les Stalkers, même derrière. Mais le problème c'est que le canon détecte un petit peu plus loin qu'il tire, donc il s'est fait voir avant. Donc là, il a perdu pas mal de temps, perdu aussi pas mal de points de vie. Deuxième Queen qui est sortie. Attention, ça sent un petit peu la fin du push pour le Zerg ici. Comment ça va se passer? Regardez ce qui se passe pendant ce temps-là. Parallèlement, le Zerg a essayé de sortir de sa base. Il a fait quelques Roaches pour pouvoir un petit peu défoncer ses canons. Vous voyez, dès que le Roach est enterré, il les en fait, il régénère ses points de vie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Vous voyez à quel point ça régénère sous terre. Hein. C'est pour ça que le joueur coréen fait ça. C'est vrai que c'est une tech qu'on voit assez peu en Europe pour pouvoir régénérer ses Roaches, mais qu'est-ce que c'est efficace. Alors là, attention, le Zerg va sortir. Hop là, il sort, il se fait un petit stalker. Il peut même se réenterrer avec ce Roach là, très bien joué. Vous voyez la régène qu'il va se procurer avec la micro là. Il arrive à faire pas mal de choses, le joueur Zerg. Mais attention, il va peut-être perdre sa couveuse là. Attention, les Roaches, faut qu'ils arrivent à défendre cette couveuse. Non, ça y est, la couveuse est tombée. Peut-être qu'il faudrait en profiter pour sortir là avec ça. Ouais, il essaye, il va peut-être faire ce zélote. Ça y est, il arrive à se le faire. Le problème c'est que là, le Zerg lui est en train de poser B2. Il a déjà switché sur son cheese. Regardez, il y a déjà pas mal d'unités ici. Et il va peut-être pouvoir venir de face. Le Protoss qui lui a lancé sa B2. D'ailleurs, comment il est
passer d'ailleurs. Bah, c'est le Zerg, c'est le Probe qui devait être là dès le début. Et là, il va essayer de passer le joueur Zerg check, mais vous voyez, il va pas pouvoir puisque la forge fait un mur parfait, un perfect wall comme on dit. Donc là, ça va être très difficile. Alors là, la game, ça y est, c'est remise un petit peu à un stade assez normal. Le creep, non, j'allais dire, va se retirer, mais en fait, non, puisqu'il y a cette tumeur muqueuse. On va voir comment ça va se passer. Attention à ce push là du joueur Zerg. En tout, ce sont 20 roaches qui sont en train d'arriver. Et là, bah forcément, ça va devenir assez compliqué. Hop, les roaches qui se sont un petit peu trop avancés, qui ont pris un petit peu des coups avec la détection de ce canon ici. Je sais pas s'il y a un observeur, je crois pas. Oh là là, regardez, check qui est en train d'arriver avec ses roaches ici, qui assiège totalement le joueur Protoss. Mais attention à cet immortal qui, s'il est bien géré, pourra faire énormément de dégâts. Hop là, les roaches qui sortent, qui font un petit peu de dégâts sur les stalkers. Ça, c'est cadeau. Hop là, il s'en est fait un. Puis c'est immédiatement réenterré. Il y a énormément de population là pour le joueur Protoss. Attention, il y a un observeur qui est sorti et du coup le Protoss peut voir les roches de son adversaire. Ah là là, il s'en est déjà fait 2, 3, un quatrième bientôt qui va tomber. Ça y est, il essaie de back là. Oh merde, 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 on me voit, il faut que je back absolument, il faut que je back. Donc là, là le Protoss vient de renverser un petit peu la tendance, c'est un petit peu l'arroseur arrosé là, vous voyez, grâce à cet observeur, l'avantage qu'a pris Ray sur ses positions, il a pu défoncer tout simplement tous les roaches, et c'est à mon avis ce qu'il a fait sortir de sa base. Alors là, ça va être compliqué à contrer pour le joueur Zerg, puisqu'il y a quand même un immortal ici, un gros immortal qui fait très mal aux roaches, et en plus il y a du tracker, il y a 11 trackers contre moins de 10 roaches maintenant, donc ça va être très compliqué. Mais il y a pas mal de Zerglings qui arrivent, ils vont peut-être pouvoir un petit peu ici attaquer les trackers. Ça va devenir de plus en plus compliqué là, les deux joueurs qui perdent pas mal de population, l'immortal qui fait très bien son travail, qui est pas focus par le joueur Zerg, attention parce que ça pourrait faire mal, mais le Zerg a l'air de pas mal s'en tirer quand même. Il y a plus beaucoup d'unités du côté proto, c'est le Zerg qui arrive à s'en dépêtrer finalement. Le Zerg qui arrive à repousser ce push du Protoss, ce premier push du Protoss. Ah là 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 là, que d'action dans cette game. Et Ray Prime forcément hein, qui continue de refaire son armée, qui va se mettre un petit peu à refaire de l'immortal hein, vous voyez, puisque c'est si efficace contre les roaches, contre les blindés. Attention cependant, le Zerg maintenant a switché Hydralisk. Regardez le nombre d'unités qu'il y a ici du côté Zerg. Donc là, ça va être de plus en plus difficile pour le Protoss de contrer ses unités. Néanmoins, il se laisse pas abattre, il a fait une forge ici plus un portail afin de pouvoir refaire peut-être quelques canons, voire des améliorations, et surtout de faire un espèce de mur ici pour obliger le Zerg à prendre des trajectoires spécifiques. Alors, peut-être ce push ici qui pourrait réussir au joueur Zerg. Attention, parce qu'il y a quand même peu d'unités, il faut pas faire d'erreur dans la micro. Les hydraulites qui sont laissés passer devant, attention, il faut laisser tanker les roaches ici. Le problème, c'est que s'ils s'empalent avec les canons plus les probes, ils risquent pas de passer. Le Zerg là, il commence à un petit peu taper avec ses hydras. Très bien, micro, les roaches qui vont y aller. Attention, faut pas se faire défoncer là. Le Zerg qui fait un petit peu des erreurs de micro, et forcément, il perd de plus en plus d'unités. Là, vous voyez, hop là, un petit roach grappillé ici, deux Zerglings par là. C'est pas rien. Ça va beaucoup compter dans cette game où il y a très peu de pop, hein. 61 contre 81. Le Zerg qui a plus de pop et qui, ça y est, a lancé son push et qui amène de plus en plus d'unités. Le Protoss qui perd pas mal d'unités, il a perdu un immortal ici. Le Protoss qui perd de plus en plus d'unités, mais le Zerg ici se fait défoncer aussi hein, pas mal dans sa population. Mais il y a quand même trop du côté Zerg, il y a trop. Et GG de la part de Ray Prime qui quitte cette partie. Oh là là, alors là vraiment au niveau de la couveuse ici avec les Spinecrawlers, c'était vraiment une game de rêve. J'espère que vous l'aurez apprécié. Merci beaucoup et à la prochaine pour un prochain VOD.